Salut tout le monde, c'est Duki. Aujourd'hui on se retrouve pour un let's play de Proteus. C'est un jeu indé sur Steam que je sais absolument pas ce que c'est. Oh yes. Oh yes. Ah ça a l'air des barres. Les graphismes sont dégueulasses. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Je me suis téléporté. Qu'est-ce qui se passe? Y'a des trucs. Y'a des trucs. Y'a des cailloux. Y'a des... Ah! Putain, Tom, tu m'as vraiment filé un jeu de la drogue. On dirait un vaste trip sous acide. Oh putain, y'a des trucs! C'est des gens. Je vais pouvoir leur parler. Putain! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Putain, Tom, t'as que des jeux vraiment trop chiants. Ok, alors on va chercher les petits chapeaux. Et je vais essayer de speedrun ce jeu. Oh, c'est la nuit. Oh, c'est la nuit. Ah, yes, yes. Il y a un truc qui bouge. Je crois que c'était une grenouille. C'est un chapeau, chapeau. Chapeau, chapeau. On chope le chapeau, putain, non. Allez, je vais au bout de l'univers. On s'en bat les couilles. Ah, c'est vraiment un jeu vidéo avec lequel on peut s'amuser pendant plusieurs heures. C'est méga violent, ce que je suis en train de dire. Et en vrai, ils ont pas eu besoin d'argent, ils ont utilisé Pen, c'est un logiciel gratuit que tout le monde peut utiliser. Non, bah, il y a une constellation à gauche, à gauche. Putain, Moti, tu pars trop loin, t'en as trop pris, c'est la lune avec. Non, alors, ce que je pense de Proteux, Alors bon, je pense que il se passe plus de trucs sur le menu du jeu que dans le jeu. Parce que là, par exemple, il y a des effets de particules sur le curseur et on peut jouer avec les lettres. C'est bien plus de trucs qu'on peut faire dans le jeu. Tu peux passer au moins 5 secondes à cliquer sur tous les trucs du menu. T'auras passé plus de temps qu'à jouer. Bande de fils de pute.